Il est 22h15, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via ST, là pour cette dernière partie de soirée consacrée au deuxième tour des élections législatives, et vous découvrez ou redécouvrez les visages des quatre députés qui représenteront la Corse à l'Assemblée nationale pour les 5 années à venir, Michel Castellani, Jean-Félix Acquaviva, Paul-André Colombagne et Laurent Marcangeli. On reviendra sur les résultats pour les 4 circonscriptions avec nos invités, ces invités qui nous ont rejoints sur ce plateau, nos confrères de la presse insulaire ainsi que le représentant du Rassemblement national en Corse et le candidat La France Insoumise, Robin Demare. Mais d'abord, coup d'œil sur les résultats nationaux. Ce soir, pas de majorité absolue pour la coalition présidentielle, mais une majorité relative. La coalition Ensemble obtient 230 sièges, 149 sièges pour la NUPES, 21 sièges pour les candidats divers gauche, 4 sièges pour les députés divers centres, 76 pour le LR, 85 pour le Rassemblement national et 12 sièges pour les autres. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction du leader de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, suivi de Marine Le Pen. Voyons ce qui se présente. C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Le peuple s'est exprimé, surmontant l'obstacle d'un mode de scrutin particulièrement injuste et inadapté aux valeurs de notre temps. Il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement national à l'Assemblée. Qui devient ainsi un peu plus national. Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique. J'adresse toute ma gratitude aux électeurs qui leur ont témoigné leur confiance. Cette confiance nous oblige. François Fillon, on entendait la satisfaction de Marine Le Pen. 85 sièges pour le Rassemblement national, c'est historique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? De la joie, hein, tout simplement. On est dans un système électoral injuste. Je rappelle qu'en Europe, il y a 26 pays. Les 25 autres pays ont la proportionnelle. C'est le système le plus démocratique qui existe. Si on fait 30%, on a 30%. En France, on avait toujours ce système uninominal à 2 tours, qui est le parfait système injuste. D'ailleurs, aujourd'hui, Macron en paye la note, parce que même ce système-là, ça ne peut plus préserver les intérêts de Macron. Donc il faut être clair. Si on avait eu le système à la proportionnelle, aujourd'hui, on n'aurait pas eu 85 députés, mais on en aurait environ 140. Donc c'est, vous voyez, même là-dedans, on peut dire qu'on a été les aimés. On ne va pas bouter notre joie de faire un groupe. On multiplie par 12 les députés. C'est une percée sans précédent. Mais il faut l'analyser, cette percée. 4 Français sur 10 ont voté à la présidentielle pour nous. Les 6 autres, ils ont voté pour qui? Ils n'ont pas voté pour Macron. Ils ont voté contre nous. Ça veut dire que les adversaires d'hier... Les Insoumis, le Parti communiste, ils n'ont pas voté pour Macron. Ils ont voté pour nous faire battre. Donc la situation aujourd'hui, elle ne fait que se clarifier. Avec 40%, un potentiel de 4 Français sur 10 qui sont d'accord avec notre programme, c'est normal qu'on fasse la plus grosse percée. C'est tout simplement la récompense du travail que nous faisons pour faire en sorte de relever ce pays. L'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement des directives européennes. Aujourd'hui, le mode de scrutin, il ne va pas changer maintenant, il ne changera peut-être pas durant la mandature. Quel va être votre rôle à l'Assemblée nationale avec vos 85 députés? Vous serez dans l'opposition? On sera pour la France, tout simplement. Oui, mais dans l'opposition, clairement. L'opposition à quoi? À qui? À des textes, si c'est la retraite à 65 ans, nous l'avons dit, nous serons contre. Nous serons contre la retraite à 65 ans. Pourquoi? Parce que vous retrouveriez à ce moment-là avec la NUPES contre le gouvernement. On se retrouve avec personne. On se retrouve. Est-ce qu'un texte il est bon pour la France? On votera. Est-ce qu'un texte il est contre les Français? On votera contre. Tout simplement. Nous faisons de la politique au plus simple. Les gens comprennent notre positionnement.
Pardon? Un positionnement au coup par coup. Non, bien sûr, en fonction. Si on nous propose demain de réindustrialiser la France, de refaire du localisme, faire qu'en Corse on puisse reproduire une agriculture, vous voulez qu'on vote contre? On va voter pour. Maintenant, si on continue comme c'est le système aujourd'hui, où en Corse des monopoles se taillent la Corse en morceaux, accompagnés d'affairistes et de mafieux, ben on fera en sorte, nous, de proposer un texte de loi pour mettre fin à ces monopoles qui saccagent l'économie de la Corse. Et sans parler de la fraude qu'il y a eu pendant ces élections. Parce qu'il faudra bien qu'on se mette autour de la table et que les instances judiciaires fassent leur travail. Il faut que la fraude n'ait plus lieu en Corse. Robin Demary, Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari politique. Macron n'a pas la majorité absolue. En revanche, le pari électoral est quand même un peu moins réussi. Vous espériez plus ? On espère toujours plus. On espérait pouvoir gouverner. Après, bon, on a dit 149 députés, c'est l'estimation encore. Dans les divers gauches que vous avez citées, c'est beaucoup d'élus soutenus par la NUPES qui, en Outre-mer, étaient estampillés divers gauches alors qu'ils étaient soutenus par la NUPES, déjà. Donc il faut ajouter ce nombre-là. Ce qui fait qu'on est de loin le premier groupe, en dehors de celui de Macron. Et ça, c'est déjà une certaine victoire. On espérait évidemment faire plus, mais Macron, il a perdu. Le premier pari, il a tenu. Ensuite, son gouvernement va devoir, en tout cas une grande partie de son gouvernement va devoir démissionner parce qu'il ne peut pas tenir tel quel. Certains députés n'ont pas été élus, qui devaient être élus pour rester à la majorité au gouvernement. Bon. Ils sont obligés de démissionner maintenant. Il y a le ministère de l'écologie, il y a le ministère de la mer, enfin, le secrétaire d'État. Force est de constater que maintenant, il y a une recomposition politique qu'on avait déjà pressentie à la fin du premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire trois blocs qui s'opposent. Et nous, on incarne évidemment le bloc du progrès social. Jérôme Pauw, je sens que vous vouliez déposer une question. Ben, non, plusieurs choses. C'est vrai que sur cette élection, finalement, on retrouve les rapports de force qu'on a eu à la présidentielle. Mmh. C'est-à-dire qu'on a Macron en tête. Après, on a la gauche réunie. Parce que si on prend le Parti socialiste, les Verts et ce qu'a fait Mélenchon au présidentiel, c'est le deuxième parti. Et après, on a le Front National. Le Rassemblement National ou les souverainistes ? Le Front National n'existe plus. Oui, le Rassemblement National. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que quand on a quelqu'un qui se félicite d'une déroute, donc d'une crise politique, je ne suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose de bien, parce qu'il y a aussi une crise économique, et qu'aujourd'hui, on va avoir un vrai problème, c'est qu'on va avoir une crise politique en plus d'une crise économique, dans une France qui va être très difficile à gérer. Et à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Comment vont se prendre ces décisions? C'est ça la problématique d'aujourd'hui, et ça me paraît très très inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est de ne pas prendre des décisions dans l'intérêt des Français. Si je prends, moi, le commerce extérieur, on nous a parlé du couple franco-allemand, tout le monde se félicitait. Je rappelle que les Allemands, c'est 228 milliards d'excédents, oui, pendant que nous, en France, on a cassé la machine industrielle, on a fermé nos usines, et qu'on est à 85 milliards de déficit. Ça veut dire que nous ne sommes pas pour mener un combat contre l'Allemagne, mais de dire qu'il faut rééquilibrer en Europe la machine économique. On ne peut pas simplement être spectateur et là pour acheter jusqu'à à plus soif les productions allemandes. On veut des souverainistes. Vous vous trompez. Nous ne sommes pas, nous ne nous félicitons pas de la crise. Nous la combattons, c'est la crise. De toute façon, Jérôme, bien ou mal, inquiétant ou non, en tout cas, cette élection, ce qu'elle traduit, effectivement, il y a le fait démocratique. Et je pense d'ailleurs, enfin moi, ça me fait un peu penser aussi à ce qui s'est passé en Corse, sans jeter des passerelles trop caricatural, mais voilà, aujourd'hui, les positions hégémoniques sont clairement rejetées par les électeurs. Alors ça se porte sur la NUPES, ça se porte sur l'Assemblée nationale, ouais. Parfois sur LR, mais en tout cas, voilà, on retrouve aujourd'hui ce climat qui avait déjà soufflé sur la présidentielle. Je ne sais pas s'il faut demain, effectivement, en arriver à une proportionnelle, sous quelle forme, parce que il y a différentes formes de proportionnelle en Europe, hein, c'est pas un système... Mais sur 26 pays, il y en a 25 kilos. Mais après, il faut pas confondre hégémonie et majorité pour gouverner. Oui, mais... Parce que c'est ça toute la limite, là. C'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron... Et vous pensez que les 25 peuples en Europe qui ont la proportionnelle, ils ne savent pas être majeurs ? Et ça marche. Au contraire, ça demande davantage de responsabilité. Mais la représentativité, vous l'avez aujourd'hui. Vous allez avoir 100 députés, vous en avez 149. Donc il y a eu une remontée. Oui. Finalement, on a le relais. Elle s'est faite au forceps.
Elle s'est pas fait normalement. Moi, je suis quand même choqué qu'un Français sur deux ne vote plus. Et si on veut que ces gens-là ils reviennent voter, il faut que quand ils mettent leur bulletin, ils aient l'impression d'avoir une représentativité qui les représente. La problématique, elle est où ? Mais là, vous ces gens qui votent et qui ont l'impression qu'ils ne retrouvent pas leur vote. On parle de démocratie. Mais là, sur l'image de l'Assemblée qu'on a aujourd'hui, vous avez la représentativité de l'élection présidentielle. Si vous regardez dans les masses. Donc il y a la représentativité. Mais ça demande aux députés davantage de responsabilités. Mais encore faut-il que l'Assemblée nationale ne soit pas une chambre d'enregistrement des directives européennes. On a cette problématique-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a un appel au secours du peuple de France qui vous dit « on veut redevenir souverainiste, on veut décider des choses ». Sur ce point, comment la question de Jérôme Pahl sur la gestion dans une crise économique et sociale qui s'annonce. Déjà, il y a une crise politique qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale, mais cette crise politique avait déjà lieu au sein de la population générale. Et donc maintenant, l'Assemblée nationale se fait le reflet de cette crise politique. Il y a des questions qu'il y a à trancher. Et finalement, c'est l'Assemblée nationale qui reprend son pouvoir de là où se décident les choses et là où on débat des choses. Début de la politique, parce que jusqu'à présent, les assemblées nationales, c'était des chambres d'enregistrement de la majorité. Il y avait le président qui décidait quelque chose quand il avait sa majorité, et c'était le cas depuis que la présidentielle, c'est tous les 5 ans. L'Assemblée nationale, elle exécute. Donc maintenant, on va avoir de retour à la démocratie à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même un pari gagné. Hein. Et je pense que c'est pas regrettable du tout. Maintenant, on va voir comment se tranchent les questions. Nous, ce qu'on a fait avec la NUPES, c'est qu'il y a une plus grande représentation de la population à l'Assemblée nationale. On a une gouvernante qui a été élue, Rachel Keke, qui représente un combat des invisibles, si vous voulez, qui maintenant va se retrouver à l'Assemblée nationale pour porter des voix qui n'étaient pas portées jusqu'à présent. Et nous, on en est très fiers de ça. Merci beaucoup Robin Desmarres. On analysera dans un instant les résultats pour la Corse avec nos confrères de la presse insulaire. Mais d'abord, nouvelle escale du côté de Bastia où l'on retrouve Laurent Vincenzini. Laurent, vous êtes en compagnie de nouveaux invités, je crois. Exactement. Jean-François Paoli, battu au premier tour dans cette première circonscription de Haute-Corse qui nous fait le loisir, l'envie de nous rejoindre ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous allez notamment commenter les résultats d'ensemble d'Emmanuel Macron. Paul-Félix Benedetti, le leader de Corinne Front, et bonsoir. Bonsoir. Vous étiez absent de ce scrutin, mais vous avez, dans l'entre-deux-tours, appelé à voter nationaliste. C'était faire preuve de responsabilité. Selon vous, vous sentiez qu'il y avait un risque. Il y a eu un risque dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Un vote global, un vote politique, un vote de recentrage. On a toujours, nous, mis en avant cette notion de majorité politique, au-delà de la majorité tacticienne ou de la majorité électoraliste, de la majorité qui gouverne. Et on a senti quand même qu'il y avait un risque, beaucoup d'amertume et de division, et qu'au-delà, et quoi qu'il nous en coûte, avec des discussions internes, y compris à Corinne Front, âpre, très posé, on a pris la décision de faire un appel militant à voter patriote et à voter les 4 candidats en lice. Et je crois qu'aujourd'hui, on se satisfait du résultat. Et on voit qu'on a été quand même assez intuitif, puisqu'il s'en est fallu de peu pour qu'un des candidats passe à la trappe. Justement, Paul-Félix Benedetti, selon qu'on se place du côté de Gilles Simeoni, on dit que cette division, ce recentrage autour de FEM, où c'est plutôt une réussite, encore ce soir. Et si on se place du côté du PNC, de Corsica Libera, eh bien c'est plutôt un vrai échec. De votre point de vue, c'est quoi ? Il faut Jean-Christophe Angelini appelle à un adjournement ce soir, Lionel Mortini à un rassemblement. Vous, la stratégie des nationalistes, elle doit être guidée par quoi désormais ? Déjà d'être guidée par le sens politique. C'est pas une conjoncture électorale qui doit dicter des comportements. Depuis un moment, on a une tendance, je dirais, unicitaire dans la gouvernance. Et du côté de FEM, on doit avoir de la pluralité, au moins dans le débat interne.
dans les choix de candidats. Je suis persuadé, moi, que si on avait eu un choix tactique sans équivoque sur l'ensemble des quatre circonscriptions, qui aurait validé des candidats qui pouvaient être, entre autres, les quatre qui ont été présentés. Mais avec une discussion préalable pour les dégager collectivement, ben je crois qu'il y aurait eu quatre victoires éclatantes. Il n'y a pas assez de collectifs du côté de Gilles Simeone, du côté de Jean-Claude Sacoïde. Il y a la tentation où l'exercice est un pouvoir solitaire, alors qu'aujourd'hui, on a besoin, nous, de continuer à faire vivre ce magma patriotique qui est pluriel, qui parfois est difficile et contraignant, mais qui nous oblige à ne jamais tourner le dos à la pratique de la démocratie participative au sein du corps militant de l'ensemble des forces politiques qui constituent le socle nationaliste corse. Jean-François Paoli, au-delà du commentaire, de l'analyse de la première circonscription, une bataille où vous étiez dans ce premier tour, on va élargir un petit peu, vous étiez sous la bannière Ensemble, Ensemble qui peine vraiment à s'installer en Corse. Le parviendra-t-il un jour? Rien n'est moins sûr. Mais au niveau national, 230 députés, une majorité toute relative, avec 85 députés, notamment du côté du Rassemblement national, autour de 150 pour la NUP, 75 des LR et leurs alliés. Ça va être très très compliqué de gouverner. Oui, je pense qu'effectivement, ce soir, c'est un soir compliqué, je dirais, pour la majorité présidentielle, mais enfin, majorité relative, il y a. Ce sera au président à montrer sa capacité, je dirais, à réunir et à savoir surmonter cette difficulté. Moi, vous savez, je pense que c'est mieux pour gouverner, effectivement, les majorités absolues, mais d'un autre côté, des fois, les majorités absolues, on s'en aperçoit, empêchent peut-être cette volonté qu'on a d'écouter les autres, d'aller vers les autres et de construire, je dirais, un discours... Emmanuel Macron n'a pas assez écouté ? Y compris vous qui tendiez à le faire incliner du côté gauche ? Oui, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron, enfin, écoutez, ou pas assez, au vu des résultats, on pourrait facilement dire pas assez, mais en tout cas, je pense que ça montre bien que ce pays qui est aussi en reconstruction, qui se cherche, qui a besoin aussi qu'on réponde à des questions, je dirais, pragmatiques et de quotidien, ben, il va falloir essayer de le construire avec une majorité à l'Assemblée, qui va être diverse, mais aussi peut-être avec une écoute plus attentive vis-à-vis de tous. Et pour ça, pour gouverner, il va falloir des politiques, Jean-François Paoli. Richard Ferrand ne sera plus au perchoir. Il a été battu ce soir. Castaner aussi. Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État à la mer. Est-ce que vous ne voyez pas quand même une défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron, justement, peut-être, de son omnipotence, de son manque d'écoute? Écoutez, à travers ce scrutin ? Écoutez, on verra bien. Je pense que de toute façon, nul n'est indispensable. Vous savez, en politique, les noms, les gens se succèdent. Il y avait des gens de talent qui n'ont pas été réélus ce soir. On peut le regretter. Il y a d'autres gens de talent, je dirais, qui auront peut-être la chance de pouvoir montrer toutes leurs capacités. Je pense qu'il faut essayer de rester positif et de ne pas non plus noircir le tableau à l'excès. Une nouvelle mandature s'ouvre, de nouveaux défis s'ouvrent et je crois que le président aura la capacité d'y répondre. Deux questions rapides, Paul-Félix Benedetti. Les députés nationalistes, ils seront trois. Il faut qu'ils aillent vers quoi ? Recréer un groupe comme ça, transpartisan, avec un socle territoire, aller chercher des UDI, des PS dissidents, constituer comme ça une force ? C'est la bonne stratégie ? Il faut qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils soient les représentants d'un courant patriotique corse et qu'aujourd'hui, ils doivent avoir comme objectif de convaincre qu'il faut une évolution institutionnelle et constitutionnelle et faire en sorte que lorsqu'il y arrivera ce débat, il y ait la majorité des deux tiers entre le Sénat et le Parlement pour qu'on puisse accorder enfin à la Corse son droit. Ce droit européen contre toutes les autres îles. Mais cette majorité des deux tiers, là aussi, il fallait des politiques. Il n'y aura plus Bruno Questel, il n'y aura plus François Poupogne, il n'y aura plus Richard Ferrand, vous savez, qui écoutait quand même la Corse. Ce sont les nouveaux qui deviennent des anciens. Donc il faut penser qu'il va y avoir une classe politique consciente des enjeux, entre autres au niveau national et international, que la France doit se réformer, que cette France archaïque des départements créée par Napoléon Ier a vécu. Et qu'aujourd'hui, elle doit se mettre au niveau de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne, qui sont ses trois voisins les plus proches, et qui ont, malgré la crise, un dynamisme économique qui dépasse très largement celui de la France. Mais vous croyez que cette question institutionnelle, elle va venir vraiment tout de suite? Là, il n'y a pas la question sociale, d'abord? Tout va venir en même temps. La France a besoin de se réformer. Sa constitution, aujourd'hui, est un carcan.
sur un mode de royauté cachée. Et je pense que les Français, collectivement, tous ceux qui aujourd'hui ont manifestement exprimé un refus, soit en ne votant pas, soit en votant et en sanctionnant le parti du gouvernement, montrent qu'il faut un changement. En tout cas, il le faut pour la Corse, mais je pense qu'il le faut ailleurs. Et on doit nous profiter de ce que nous avons toujours été, c'est-à-dire ce laboratoire de l'expérimentation de la déconcentration et de la décentralisation française, et qu'on puisse aboutir à quelque chose qui soit cohérent pour tout le monde et qu'il y ait un match gagnant-gagnant. Et je pense que c'est le rôle de nos députés de présenter cette avancée comme quelque chose qui conviendra dans l'avenir à tout le monde. Je vous propose, messieurs, désormais de découvrir un sujet de Paul Saleur qui revient sur peut-être la circonscription avec le plus de suspense ce soir, la deuxième circonscription qui a vu donc Jean-Félix Acquaviva réélu aux dépens de François-Xavier Tchécoli. Après de longues minutes d'attente et la publication des résultats définitifs, Jean-Félix Acquaviva regagne sa permanence portée en triomphe par les siens. Avec 50,23% des suffrages, le député sortant est réélu pour un mandat de 5 ans au Palais Bourbon. Jean-Félix Acquaviva s'impose à Lille Rousse, Corté, Prunelle et Viomorbo et progresse dans de nombreux villages de l'intérieur. Il se projette dans une assemblée nationale bouleversée. Il y a évidemment un ligage de force, je le répète, qui se sont ligués cette fois-ci au second tour comme au premier tour contre nous, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. C'est une donne aussi. Donc à partir de là, ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire en sorte de se dire qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a les négociations qui sont très importantes pour la Corse et l'intérêt supérieur de la Corse qui vont débuter. Il y a une configuration nouvelle au Parlement, où il n'y a pas de majorité absolue, où on va pouvoir faire un groupe, peser de manière significative, c'est ça qui m'importe. Avec 156 voix de retard seulement, François-Xavier Tchécoli est passé tout près de créer la surprise. Ses soutiens réunis à la permanence de Moriane y ont longtemps cru pouvoir s'imposer. Les victoires annoncées à Ghisona, Chacalvi ou Vescovato ont maintenu un espoir finalement déçu. Malgré la défaite, François-Xavier Tchécoli s'impose en nouvel homme fort de la droite insulaire. On va se battre, on va continuer, puis on verra ce qu'on fait par rapport à cette élection. Mais moi, je retiens le positif ce soir, une immense joie, un immense honneur d'avoir été choisi par tous ces gens. Un immense honneur. Pour nombre d'observateurs, l'élection s'est en partie jouée en Balagne. Jean-Félix Acquaviva s'impose de justesse sur l'intercommunalité présidée par Lionel Mortigny. Pour le troisième homme du premier tour, Fema Gourciga doit tirer les leçons d'un scrutin bien plus serré que prévu. Quand les nationalistes ne sont pas unis, les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc à l'avenir, il faudra que le nouveau député et ex-député et la majorité territoriale essayent de rassembler ce qu'ils ont fragmenté l'an dernier. Reste à savoir désormais si François-Xavier Tchécoli intentera un recours suite à ce résultat serré. Le candidat battu dénonce ce soir plusieurs incidents au cours du scrutin. Et justement, le battu François-Xavier Tchécoli nous avait promis de gagner ce plateau. Il ne viendra pas ce soir, il s'en excuse. Il réfléchit effectivement avec ses soutiens à un recours possible. Une image, celle de la liesse qui a aussi entouré la victoire de Michel Castellagne du côté de la place du marché dans la première circonscription. 63% des suffrages exprimés pour lui et sa suppléante Juliette Ponce-Vera avec ses nombreux soutiens, vous le voyez. Ce n'était pas l'ambiance des grands soirs parce que il était grand favori quand même, Michel Castellagne, mais il est réélu avec un une large avance. C'est le mieux élu des députés ce soir en Corse. Et vous le voyez, Gilles Simeone a évidemment gagné tout le monde, place du marché, pour féliciter les candidats. Messieurs, dernière question, Jean-François Paoli. Reconstruire la gauche de gouvernement à Bastia, en particulier, la prochaine grande élection au-delà des européennes, c'est les municipales en 2026. On a posé la question à Julien Morganti. Est-ce que vous, Julien Morganti, Jean-Sébastien de Casalta et d'autres, avez ça au cœur, avez ça comme projet politique, oui ou non ? Oui, bien sûr, on a le projet politique de reconstruire, de prendre le devant de la scène. Moi, je vais essayer de capitaliser avec tous mes soutiens, je dirais, sur cette élection. Finalement, on a réussi à créer une dynamique. Elle n'était pas gagnante au début. Et à partir de là, on va continuer, je dirais, à rencontrer les électeurs, les électrices, aller au plus près des gens, puis les partis. Et à partir de là, on verra ce qu'on va être capable, de, je dirais, d'en sortir. Mais tout rassemblement, toute union ne se décrète pas. Elle se construit et nous la construirons. Vous avez un peu de temps quand même d'ici 2026. À la fois oui et non, parce que 4 ans, c'est très long si on attend.
c'est des fois très court. Si on, faut si tout de suite réembrayer, là, après ce scrutin. Je pense qu'il va falloir, très rapidement, alors, de suite. Mais en tout cas, ou plus tard en septembre, je dirais, on peut peut-être laisser passer l'été. Derrière qui que. Derrière qui bah, pour l'instant, avant de mettre derrière un homme, on va essayer de faire avancer avec pragmatisme, je dirais, nos idées, tirer les enseignements. Alors justement, les idées relatives à la Corse, les idées de la gauche aujourd'hui, relatives aux prochaines discussions qui vont s'ouvrir. Rapidement, ça tient en quoi? Autonomie, pas autonomie En tout cas, ça dit qu'elle veut faire partie des négociations, et je vous espérais, alors, je vais employer le terme, je dirais que l'Assemblée de Corse va ouvrir à la Ligue 2, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas élus à l'Assemblée de Corse, mais qui ont quand même le plaisir de pouvoir participer à ces discussions. Je pense qu'il est important que le président Simeone aille au-delà de simplement l'Assemblée de Corse ou des députés. Ça va faire beaucoup quand même, hein, dans des négociations qui vont durer longtemps. Des négociations, on va mettre la question institutionnelle, la question sociale, la question économique. Beaucoup, mais c'est peut-être la seule façon qu'on arrive avec une proposition, je dirais, à Paris, qu'il va falloir faire passer devant les deux assemblées, comme vous l'avez répété, qui ressemble, je dirais, réellement à la Corse. Elle doit s'inventer, elle doit se réaliser. En tout cas, je dirais, comme je l'ai dit au premier tour, aucun tabou. La seule chose que je continue à affirmer, c'est que je ne cherche pas une autonomie qui soit, je dirais, la voie à l'indépendance. Je ne vois pas la Corse indépendante de la France et même dans l'Europe. Donc, mais autonomie, ça veut dire pouvoir législatif. Mais autonomie, tous discutent, et je dirais, et en tout cas, pourquoi. En droit constitutionnel, autonomie, c'est pouvoir législatif. Pouvoir législatif, quel pouvoir législatif et pourquoi, je veux dire. D'accord, dans quel domaine c'est pas un to be, Très bien. Voilà, pourquoi pas. Très bien. Vous, Paul-Félix Benedetti, on va rentrer dans une séquence très politique, vous êtes politique, il va falloir peser, il va falloir faire du lobbying à Paris, il va falloir travailler avec Gérald Darmanin, il va falloir travailler avec Elisabeth Borne, il va falloir vraiment convaincre, et assez rapidement quand même, parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui vont interpeller le gouvernement tout de suite, et la question institutionnelle, il faut mobiliser autour d'elle. Et comment vous allez faire? Ça va partir de l'Assemblée de Corse, selon vous? Qui il faut mettre? Quelle méthode? Parce qu'on l'attend toujours, cette méthode, hein, elle est toujours pas là. Je ne sais pas si ça doit partir de l'Assemblée de Corse, en tout cas ça doit partir de la Corse. Et il faut que ce projet soit le projet de tous les Corses, qu'on montre que ce qu'on demande a un consensus absolu. Il faudra que, d'ailleurs, je pense qu'on le valide localement, avec un référendum d'initiative locale, et que ce soit le socle commun, pour moi, d'une nation en devenir, pour d'autres, d'une région à faire évoluer, mais on ne peut pas rester en l'état. On doit avoir aujourd'hui les moyens de se protéger, se développer sans être dépossédé. Donc on a besoin de spécificités que nous donne un droit naturel. C'est notre histoire, notre insularité et notre culture. Et surtout notre besoin de développement et surtout de régulation des richesses énormes qui rentrent en Corse. Parce que c'est un pays d'un attrait indéniable, mais il faut qu'il y ait un sens du partage, et pour cela, il faut des règles. Et ces règles, je crois qu'aujourd'hui, doivent être des micro-règles en politique, nos règles locales. Il nous appartient collectivement de se convaincre et qu'on puisse avoir ce socle commun sans aller chercher quelque chose d'extraordinaire. Avec le blanc seing d'un référendum, c'est important. Oui, mais en prenant le modèle de la Sardaigne, en prenant le modèle des Açores, en prenant le modèle des autres îles de l'arc latin, qui ont toutes un statut évolué, qui leur ont permis de progresser, de doubler et de tripler leur richesse en 30 ans, alors que nous stagnons. Merci messieurs pour la qualité de ce débat. Ce sera tout ce soir pour ce plateau de Bastia. Marianne, merci, et puis bonne fin de soirée. Merci beaucoup Laurent, merci à vous de nous avoir si bien accompagnés tout au long de cette soirée. Allez, focus maintenant sur la deuxième circonscription de Corse du Sud. C'est dans cette circonscription que le député sortant Paul-André Colombagne est réélu député avec 57,61% des suffrages. Il devance largement la candidate d'hiver droite Valérie Bodz qui récolte, elle, 42,39%. Je vous propose tout de suite d'écouter la maire de Grosseto-Prugna, Valérie Bodz. D'abord, je remercie évidemment tous les électeurs qui m'ont témoigné de leur confiance, tous les soutiens que j'ai eus dans cette campagne, qui fut une belle campagne. Évidemment, je félicite le député sortant pour son élection et je pense que pour une première, pour ma part, c'est déjà un résultat encourageant. Alors, c'est une belle campagne, ça a été une élection, c'est comme ça que vous le dites, c'est une élection pour laquelle il n'y a pas eu de problème comme dans d'autres circonscriptions. Pour vous, il n'y aura pas de recours éventuellement? Non, a priori, ici, il n'y a pas eu de difficultés particulières. On savait que sans le soutien de la ville de Porto-Vec, qui représente tout de même 10 000 électeurs, c'était compliqué. Donc je suis aujourd'hui contente du résultat que nous avons fait pour cette première élection, bien sûr.
Comment vous analysez, par exemple, pour le vote des électeurs du Front National, vous avez pu en récupérer, vous pensez ? Écoutez, il faut constater que le report du Front National a profité davantage aux députés nationalistes qu'à la candidature d'hiver droite que j'étais. Donc certainement, le fait d'un vote, d'un report pour le député qui lui a profité au second tour. Ça reste à analyser, hein, on n'a pas encore tous les chiffres. Ce que l'on sait, c'est que donc Laurent Marcangeli sera le seul député de droite. La droite, elle n'a pas complètement avancé sur les quatre circonscriptions. Alors, je félicite d'ailleurs Laurent Marcangeli pour sa brillante réélection. Je suis très heureuse pour lui et je sais qu'il saura apporter nos besoins et nos attentes à l'Assemblée nationale. Et je pense que la droite a tout de même progressé puisque François-Xavier Tchicol arrive très juste derrière le député sortant et que nous faisons également dans notre circonscription une avancée considérable par rapport à 2017. Alors, concernant l'Assemblée nationale... Oui, visiblement, il n'y aura pas de majorité absolue. Donc ça me semble être une bonne chose. Et que la droite, par le biais des Républicains, puisse peser davantage dans cette Assemblée, me semble plutôt bénéfique pour qu'il y ait un juste équilibre entre les forces gauche, centre et droite. Vous l'avez compris, c'est donc Paul-André Colombagne qui représentera la Corse, qui représentera la deuxième circonscription de Corse du Sud, au Palais Bourbon, l'élu du PNC qui avait ravi le siège de député à Camille de Rocazère en 2017, confirme donc son assise dans l'extrême sud. Son portrait est signé ce soir Dominique Moret. En ce 21 juin 2017, un quasi inconnu l'emporte face à Camille de Rocazère. Si le contexte politique d'alors est à la fin des dynasties, la discrétion de Paul-André Colombagne a peut-être contribué à rassurer le sortant qui aura probablement trop misé sur son bilan de parlementaire. Tout le monde me disait que j'avais fait un énorme travail de parlementaire, utile à la Corse. Je m'aperçois que ce n'est pas ça qui compte. Je m'aperçois que c'est plus la présence sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne confond le rôle du parlementaire avec l'élu local. Eh bien, on verra pour la suite. Longtemps, Paul-André Colombagne s'est concentré sur sa profession de médecin à Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Début des années 2010, il se rapproche de Jean-Christophe Angelini et du PNC. En 2015, c'est dans le cadre d'une large union nationaliste qu'il est élu pour la première fois conseiller territorial. Il a alors 48 ans. L'ensemble de ces situations révèle le manque de moyens et le retard d'équipement dans le domaine de la santé de notre île. La reconnaissance des spécificités en matière de santé doit rapidement se traduire par une augmentation du coefficient géographique. En 2017, sa candidature répond à plusieurs motivations. À quelques mois des territoriales, le but premier est de ne pas laisser le champ libre à la droite durant la campagne des législatives. Autre élément, à Porto Vecchio. Malgré ses efforts, Jean-Christophe Angelini a perdu plusieurs fois municipales et législatives face au duo Rocazère à Mail. Paul-André Colombagne s'avéra être un atout gagnant. Jean-Christophe Angelini, vous êtes changé en directeur de campagne. C'est une fonction qui me plaît. Mais plus sérieusement, avec Pendry, il y a d'abord des liens personnels de longue date, je dirais. Et puis, il y a bien sûr des relations politiques qui précédaient le fait qu'il nous rejoigne à l'Assemblée. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut qu'il soit notre député lundi prochain. Au Palais Bourbon, le nouvel élu siège avec les deux autres députés nationalistes au sein du groupe Liberté et Territoires, dans une attitude à la fois discrète et combative. Mais au moment où on termine ce mandat, le dossier Corse, il n'y a pas grand-chose dedans. Le compte n'y est pas sur les grands sujets corse, sur la spéculation immobilière, sur la régulation du prix de l'essence, également sur les évolutions institutionnelles que l'on attendait. Unis à Paris, les élus nationalistes se divisent en Corse. En 2018, les chemins de Jean-Christophe Angelini et de Gilles Simeoni commencent à bifurquer. Le PNC ne fusionnera pas comme attendu dans Famagourtiga. Les tensions vont d'abord aboutir à la création d'un groupe à l'Assemblée avant séparation définitive. Dans ce contexte, le médecin tente d'apaiser. Les adversaires, ce ne sont pas Gilles, ce ne sont pas Anne-Laure ni Hyacinthe. Ce sont des gens avec qui on est très proches, même si en ce moment il y a quelques divergences. Et on va arriver au bout et on va arriver à mettre à plat tout ça. Je n'en doute pas. Au municipal de 2020, dans le sillage de Nicolas Couqui, Paul-André Colombagne intègre le conseil municipal de Tsontz. Désormais bien installé dans le paysage, en 2022, Paul-André Colombagne réussit le tour de force d'être le seul candidat à n'avoir aucun concurrent nationaliste dans sa circonscription. Combinaison gagnante. Emilia à Colombagne.
Intéressons-nous maintenant de plus près à la première circonscription de Corse du Sud, celle d'Ajaccio, où le maire de la ville, Laurent Marcangelio, est donc élu député ce soir avec 51,7% des suffrages. Il bat son adversaire, le nationaliste Romain Colonne. Retour sur cette soirée et ses résultats avec Jean-Philippe Mattei et nos équipes. On est là ! Un accueil triomphal pour le maire d'Ajaccio devant l'hôtel de ville. Sous les airs de l'Ajaccienne, chanté par ses plus proches soutiens, le nouveau député est célébré. Avec 51,76% des voix, Laurent Marcangeli s'impose 10 ans après avoir été élu député pour la première fois. Allez, venez, on va proclamer. Une victoire à l'arraché avec 12 013 voix, soit 2000 voix de moins qu'en 2012 et 260 voix de moins que Jean-Jacques Ferrara en 2017. Avec Xavier Lacombe, nous avons gagné cette élection. Je voulais vraiment vous remercier tous et toutes du fond du cœur. Je suis ému. Dans quelques jours, je ne serai plus maire d'Ajaccio. Et c'est dans un contexte très particulier que tout cela se passe. Je pense que j'ai eu raison de dire que le siège était en danger. Aujourd'hui, on a le résultat qu'on voit. On compare les résultats de 2017 et 2022. Je pense bien connaître mon territoire. Je savais que si je n'avais pas été candidat à cette élection, le siège aurait certainement pu basculer. Je me suis battu pour des convictions, pour des idées, avec une étiquette qui était très difficile à porter. Pas qu'ici. Mais bien ici, et surtout ici. L'image est paradoxale à la permanence de Romain Colonne. Entre la joie des militants pour ce score de 48,24% et le visage amer du candidat. Le premier nationaliste à parvenir au second tour de la première circonscription de Corse du Sud s'incline donc, mais a visiblement su mobiliser les troupes avec 11 195 voix, grâce entre autres au soutien de Michel Mozziconacci ou celui plus timide de Jean-Paul Carolage. 10 ans après avoir essuyé un échec dès le premier tour des législatives, la fierté semble tout de même prendre le dessus sur la déception. Monsieur Marcon, j'ai dit, a gagné ce soir électoralement, je reconnais très volontiers sa victoire, mais politiquement, je pense que beaucoup s'accordent pour dire qu'il a perdu et maintenant un formidable chemin s'ouvre sur Ayach et Chirkond. Saoult, on est Mgabassad, Passara, Brossima, Ault, et ce candidat tour Rekouleti, Tchayent et Daretamed, Daretanoï, donc soit Saïveli, je s'azère à lui. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Laurent Marcangeli prend la suite de Jean-Jacques Ferrara, qui lui avait lui-même succédé en 2017. Il siégera dans le groupe Horizon, l'aile droite de la majorité présidentielle. La ville d'Ajaccio changera donc de maire, mais sa victoire n'est peut-être pas aussi belle qu'escomptée. Messieurs, 4 duels, dont 3 remportés ce soir par les députés nationalistes sortants. La première circonscription de Corse du Sud, on vient de le voir, reste aux mains de la droite. Mais cette fois-ci, c'est donc Laurent Marcangeli qui retrouvera le Palais Bourbon avec l'étiquette Horizon. Pas de changement majeur, donc même configuration qu'en 2017. Oui, on pourrait tenter de dire tout tremble et rien ne bouge, les 3 sortants, Laurent Marcangeli qui est quand même dans une forme de continuité. Moi, je trouve quand même que ce soir, on a... Finalement, on l'a vu à travers vos sujets, on a parlé politique. Je trouve que la politique est de retour à travers ces législatives. Après cette dynamique qu'on a connue lors des territoriales, là, on a vu quand même des situations, on l'a dit tout au long de la soirée, beaucoup plus disputées que ce qu'on pensait. Finalement, pour Laurent Marcangeli, très courte victoire. Pour Jean-Félix Acquavive, ça nous renvoie à cette problématique des divisions nationalistes qui ont pu le mettre à un moment donné, presque, on l'a vu, en difficulté. Moi, je trouve que c'est un grand retour un peu de la politique et de ces lignes de fracture qui, à un moment donné, vont peut-être devoir être à nouveau réexaminées par nos élus. On pense notamment aux nationalistes et à ces questions liées à l'union et à la désunion. Alors, on a peut-être parlé beaucoup de politique. Il y a eu véritablement des duels. En revanche, il y a une chose qui est constante depuis des années, c'est l'électorat. Ça l'intéresse de moins en moins. Vous êtes plus séduit que les autres électeurs, visiblement. Il faut le reconnaître. J'essaie de me passionner. Non, mais c'est vrai. Chaque soirée électorale, on fait le même constat. Un Corse sur deux qui n'est pas allé voter, qui s'est senti absolument pas concerné par ces élections. Et pourtant, il y avait un vrai clivage politique avec les candidats. Ouais, il y avait un clivage politique, et puis à côté de ça, il y avait, alors dans certains territoires, on a la sensation qu'il n'y avait pas de match. Enfin, vous avez vu que le taux d'abstention a été quand même très élevé dans la première de Haute-Corse. Mais c'est sûr que ça nous. Alors là, je crois que ça nous interpelle tous, les politiques les premiers, nous qui aussi relayons un peu ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des choses sans doute à réinventer pour intéresser les gens.
Alors, Jérôme Paoli, on évoquait tout à l'heure les résultats nationaux. Quelle incidence pourrait avoir cette recomposition du paysage politique au plan national sur nos députés insulaires et sur les rapports avec la Corse et ces discussions qui pourraient s'ouvrir prochainement ? Déjà, est-ce qu'ils vont réussir à reformer un groupe, comme il avait fait avec 15 députés dans la précédente mandature ? Ça, c'est une première question. Ensuite... comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie crise politique qui s'annonce. Et je ne suis pas sûr que la Corse soit au centre des préoccupations du président de la République dans les semaines et les mois qui viennent. Maintenant, j'écoutais tout à l'heure M. Benedetti qui disait quelque chose qui me paraît assez intéressant, c'est que si on veut, s'il doit y avoir une avancée, il faut qu'elle parte de la Corse, parce qu'elle ne viendra certainement pas de Paris. On va avoir un vrai problème, et la Corse n'est pas au centre. D'ailleurs, elle n'était pas à la précédente. Peut-être que dans la confusion politique qui aujourd'hui est en train de s'établir, peut-être qu'il y a une carte à jouer à ce moment-là. De faire une union que d'arriver à trouver du soutien dans les différents groupes politiques. Donc pour aboutir peut-être à une synthèse, ça aura peut-être une vue de l'esprit. Il y a des partis qui sont plus ou moins compatibles, qui ne s'allieraient que pour cette thématique-là et l'autonomie de la Corse. C'est peut-être un peu hasardeux. Ça paraît délicat, oui. Ouais, et puis en plus, la Corse, au détour de ses élections législatives, a perdu quelques-uns de ses soutiens, ses autres députés corses, pas élus en Corse, mais on pense à M. Pourcogne, à M. Quetel. Enfin voilà, oui, c'est vrai que ce sont des gens qui ont joué aussi un rôle c'est des important gens qui, de navette. Qui faisaient du lobbying et qui faisaient passer des idées, qui ne vont plus être ces relais d'opinion. Alors, il y en aura d'autres, vraisemblablement, mais le problème, c'est qu'il va y avoir des relais d'opinion auprès d'une majorité qui n'en est pas une. Donc la difficulté, elle va être là, à mon avis. Malgré la victoire de Laurent Marcangeli ce soir, on peut dire que la droite également enregistre une défaite dans l'île. Défaite, oui, parce que deux candidats sur trois éliminés. Voilà, maintenant, moi, j'ai eu la sensation, enfin, à la suite du premier tour et durant l'entre-deux tours, comme les choses se sont jouées, je trouve que la droite a eu un petit regain. Un petit regain, oui. Ouais, clairement, Valérie Bodd dit bon, voilà, clairement battue. Elle fait un score quand même nettement inférieur à celui de Camille de Rancazé. On est d'accord, mais je pense que là, on commence à avoir une forme de relève qui est en train de se mettre en place. On verra ce que ça donne. François-Xavier Tchekol s'est avéré un redoutable adversaire. Mais à part Tchéco, d'ailleurs, on ne peut pas dire que ça a été un franc succès. Beauze y fait beaucoup moins. Laurent Marcange est élu vraiment ric-rac. Quant à Abascia, il n'était même pas présent dans la circonscription, ni au premier ni au deuxième tour. Sur cette élection, il y a deux personnes. Oui, je vous contrarie avec la droite. je sais, à chaque fois, vous me faites mal. Non, mais sur cette élection, il y a deux personnalités qui émergent. C'est Tchéco et Romain Colonne, à un moment donné, qui ont montré une certaine légitimité et qui ont des scores qui sont importants. Et c'est des gens qui vont compter et peser dans les élections à venir. Après, est-ce qu'ils gagneront ? Ça, c'est un autre sujet, parce que les élections, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses d'une élection à l'autre. Mais il y a deux personnalités qui ont vraiment émergé, pour moi, au niveau de ces législatives. Et puis surtout sur cette région ajaxienne où les nationalistes ont eu du mal à faire fertiliser. Ça fait des années qu'ils cherchaient un leader, j'allais dire. Et peut-être que là, au niveau des nationalistes, il y a quelqu'un qui a émergé. Merci beaucoup, messieurs, pour vos analyses et vos commentaires. Cette émission consacrée au deuxième tour des élections législatives arrive presque à son terme et vous découvrez ou redécouvrez à l'instant les visages des 4 députés qui siégeront et représenteront la Corse à l'Assemblée de Corse. Laurent Marcangeli pour la première circonscription de Corse du Sud, 51,8% à l'Assemblée nationale, 63,1% pour Michel Castellagne, 57,6% pour Paul-André Colombaille, 50,23%. Score plus serré dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. La synthèse de ces résultats, Jean Vitus. Eh bien, chaque élection réserve des surprises et celle-ci a failli ne pas déroger à la règle. Il s'en est fallu de peu dans 2 circonscriptions où le vent du boulet a soufflé pour un sortant et pour un nouveau candidat. C'était en Haute-Corse avec Jean-Félix Sacoive et dans la première de Corse du Sud, Laurent Marcangeli. Finalement, eh bien, on retiendra le mot stabilité qui semble quand même le plus s'adapter aux résultats délivrés ce soir par les urnes. Les équilibres politiques ne changent pas. Mais alors, on le pressentait dès le premier tour dans les circonscriptions de Porto Vecchio et de Bastia. Et puis, il n'y a pas eu finalement de dégagisme, mais un maintien de l'existant, même si on l'a vu, les écarts entre les duellistes dans chaque
circonscription n'ont pas été les mêmes qu'en 2017. Alors, les nationalistes peuvent être satisfaits, ils gardent leurs 3 députés, ils progressent à Porto Vecchio et Bastia et très fortement à Ajaccio. En revanche, ils ont été fortement déstabilisés dans la deuxième circonscription de Corjean-Félix à Coavive, a frôlé la défaite de très peu. Quant à la droite, eh bien, elle reste l'opposante numéro 1 et la seule à la majorité territoriale. On analysera plus tard et plus en détail par commune et par micro-région le report des voix et des alliances qui se sont nouées. Pour le reste, eh bien, pour les abstentionnistes du premier tour, ne se sont guère mobilisés. On a voté à peine plus ce dimanche. Le clivage droite nationaliste d'antan ne suscite visiblement plus les passions d'autrefois. Merci beaucoup Jean Vétus, merci Sébastien Pizane, merci Jérôme Paul de nous avoir accompagnés pour cette dernière partie de soirée. Jean Vétus, on vous retrouve demain dès midi pour continuer d'analyser ces résultats. Quelques secondes pour remercier l'ensemble des équipes de la rédaction de François Corviastel ainsi que les équipes techniques qui se sont mobilisées donc pour vous faire vivre ce deuxième tour des élections législatives. Je vous souhaite une très belle fin de soirée.